PEGI 18. Hey, bonsoir, c'est Agi, on se retrouve pour cette 9ème session de Project Zero, la prêtresse des eaux noires. On va jouer Miss Culotte et il va falloir retrouver notre petite maman. Alors, on commence directement. Joli câlin. Chapitre 11, l'enfant de l'ombre, avec Miyu Inazaki. Après avoir ramené Yuri du lac des défunts, Miyu reste un moment à la boutique d'antiquité. Convaincue que sa mère, Miku Inazaki, se trouve quelque part sur le mont Ikami, Miyu sait que le seul moyen de la retrouver est de suivre son ombre. Pour ce faire, elle a besoin de l'aide de la caméra obscura de Yuri. Yuri Sandosoka, oi, wakarishimashita. On y va. J'ai vu la trace de ma mère disparaître dans le cimetière. Je pourrais peut-être trouver quelque chose si j'examine avec la caméra obscura. Je demande si elle me laissera l'emprunter encore une fois. On y va, ma toute belle. On va aller voir Yuri. L'appareil photo devrait être dans la chambre de Yuri. Ouais, bah c'est ce que je pensais faire. Ça va, je me souviens où c'est. C'est l'autre côté. Mais attends, attends. Il y a peut-être des objets qui traînent. Non, il n'y a pas l'air. Si, il y en a un. Ouh, heureusement, j'y suis allé. Un petit cahier était laissé sur le bureau, on dirait le journal de Mademoiselle Kurosawa. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Est-ce que tu aimes? C'est un vieux miroir sur pied de style japonais. Ouais, toi, c'est bon, tu dis rien. Ouh. Allez, on y va. Pourquoi ce sont bizarres? Ah, c'est la radio, il y a une radio. Je crois que c'était un train qui passait à côté. Un truc du jour. Ici. Où est ta caméra? Coucou. Ça va? On dirait qu'il est en train de faire un mauvais rêve. Je te l'emprunte sans ta permission. Voilà. Vous pouvez me présenter ici la caméra obscura. Il y avait quelques notes et une photographie sous l'appareil photo. Est-ce que ça date de la disparition de ma mère? Pourquoi Yuri aurait-elle ça? Sujet, Miku Inazaki. Client, Sashi Iyama, une amie. Souvenir photo personnel, détail disparu à la recherche de son frère, lui aussi disparu. Ouah, mais putain, dans la famille, vous disparaissez tous. Mais été retrouvé, mère d'un enfant, père inconnu, disparu à nouveau 3 ans plus tard. Photographe, le client et la tutrice de sa fille. Ok! Maman! D'accord, on va se calmer. Tiens, prends ça. Je la laisse parler. Ok. C'est quoi ça? C'est une caméra de surveillance en haut. Faut se carapater d'ici, non? Non, c'est pas là. Hein, examiner. Il y a des pierres de guet qui mènent au jardin. Salut ma belle! Ouf, elle a failli disparaître. Prêtresse dans l'ombre. Tranquille. Hein. C'est bien. Ah, la porte ici. Ah, c'est pas là que je veux aller. Y'a rien. Là. Voilà. Et on va se casser. Tranquille. Maintenant que j'ai quand même réussi à rien faire, je vais pouvoir suivre sa trace. Voilà. Chargement de l'infini au-delà.
Carte de la transition. Ah shit. Bon, j'ai raté une petite photo du coup. Faut que j'appuie ou faut que je sorte? Non, faut que je sorte. Où est la trace? Là-haut. T'as quoi en photo? 14! Putain, hé. Au moins, je regarde mon gamepad pour voir le nombre de photos. Un truc qui apparaît devant ma gueule. Je sais pas, et en plus, je m'y attendais un petit peu. Allez, attaque-moi. T'es moche. Tu sais ça? Tu le sais, bâtard? Tu le sais pas? Eh ben, je vais te rendre encore plus moche en te bousillant la gueule, bâtard! Fait mal, hein? T'es plus beau comme ça. Combine. Yo! Via la bouche. Pour mourir. Oui, mort. C'est vrai que je peux utiliser aussi son petit spécial là qui ralentit. Fermé. Là. Des items. Comme toujours. Raté. Je sais pas pourquoi ils ont fait apparaître à chaque fois les mêmes items. Regarde, herbe médicinale. Puis à côté, il y aura encore une braise pure. Ils auraient pu mettre à différentes zones. T'as vu ? Toujours la même. Hop. Je peux pas, de toute façon. Encore des items là-haut. C'est offert, donc je prends. Hein. Vous savez qu'on a un rang S++ encore une fois. Parfait. Ça m'en fait du film ça. Ouais, faut 99, je crois que je suis au max. Tranquille. Bon, bah du coup, je crois qu'on va retourner. Il y avait une espèce de buisson qui nous avait bloqué. En gros, vas-y, viens. Voilà. Ça fait plaisir quand vous écoutez. On va te mettre un coup de ralentissement. Cliché ralenti. Pouh. On s'en va les steps. Attaque. Attaque, bâtard. Les fantômes, ça dégage, ça va se régénérer. Il vaut comme ça. Ah, voilà, merci. Bon. Laisse-moi te toucher. Les tétons. On continue. À sort en jupe, hein. Ça, j'avais pas fait la remarque avant. Moi, ça ironise certaines filles qui sortent d'or en vrai avec des collants, des mini-jupes et tout le tralala. Maman, d'ailleurs, quand il fait moins 40 degrés, pareil. Par contre, il y a des monstres partout. Oh. Attends, j'étais un peu bloqué dans tout ça. Wow. Bon, on va déjà taper sur.
alors. Je fais gaffe aux autres. Esquive. Oh, tu vas où là? Et plus ça va, plus il y a des flottes floristes. Hein. Raté. Ouais. Déjà, on va utiliser un objet. Voilà. Esquive. Voilà, là j'en chope plein. Pouh! Wow, c'est ralentissement que j'ai. Je peux pas les toucher. C'est bizarre ce truc, des fois tu peux les toucher, des fois tu peux pas. C'est bon? Sans tous morts, ok. Allez, pas de tas, hein. Il m'avait encerclé. On avance. C'est folkloriste. Ça va, 86 fautes encore. Eh, les 14 quand même, ils font extrêmement mal, on arrive à les tuer vite. Je fais même pas d'instant fatal sur eux. Ça c'est chiant parce qu'ils viennent pas tout en taper et t'as vu quand je suis venu au corps à corps c'est là que ça commence à me toucher. Ok. Hop. Je vais être toute mouillée là. Ça arrive presque à la jupe. Ouh, ça chatouille les herbes. Je te dis, on va retourner vers le buisson. Pain. Toh. Ce qui est assez chiant par contre, c'est qu'on peut pas changer le film en des photos comme ça. C'est tellement rapide. Parce que là, on utilise du coup un. J'ai équipé les x14. Pour rien, ce genre de photo, j'aimerais bien utiliser des infinis, pas gaspiller. Si tu vois ce que je veux dire, oh, c'est ouvert maintenant. Un milieu, c'est ouvert. Merde, doit être. Milieu, est-ce que tu es ouverte vers la maison des unions? Chemin de toute façon. Hop. Ok. Des objets, je vais les prendre. Chercher Miku. J'étais abandonné il y a 4 ans, Miku est entré dans ma vie. Mais maintenant je dois la laisser. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je sens que la fin est proche. Tout le monde meurt seul, mais je veux pas être seul. J'ai découvert une chose que l'on appelle les noces spectrales. C'est pas quand même elle la prêtresse des eaux noires. Hein. Hmm. Chelou tout ça. Tu peux ramasser? Tu peux ramasser? Merci. Oh bâtard! Lâche-moi. Vas-y, reprends. Déjà, je galérais pour prendre. Merci. Et un médicinal x2. Hop là. Oh. Nous revoilà ici. La mémé. Ouais, je l'ai raté. Are you fucking serious? Non mais, c'est quoi cette main jaune? Non, c'est avec la lumière. Vous allez mettre combien de mains? Vous obtenez un objectif gel, un objectif qui fiche le sujet photographié pour une durée déterminée. Du gel? Oh! Qu'il le fige.
Ouais, mais c'est pas super bien si on doit lui mettre des instants fatales. S'il est figé, je vais pas le mettre. Nous avons deux portes. Bon, je vais aller voir par là avant. Puisque Mémé était de l'autre côté. C'est pas pour rien en plus. Ok. Ouais, on va aller en haut. J'ai pas peur, moi. Par contre, Mio a peur. Allez, on y va! On va te faire des petits demi-tours. Ah, toi. Kazuya Sakaki. Je sais pas s'ils ont foutu de toi, mon gars. M'écris pas comme ça. Porte verrouillée. Ça c'est ouvert. On va pas trop se perdre non plus, hein, faut que je retourne voir Mémé après. Donc on va y aller doucement. Ramasse. Putain, c'est fou l'objet en plus. Moi ce placard, d'avoir un item dedans. Ouais, un 61. Génial. Attends, parce que là, y a tellement de choses. Ramasse. Ah, c'est galère des fois pour ramasser. Allez. Allez. Ah, voilà, c'est bon. 1-0, ouh. Oups. J'en ai combien? J'en ai qu'un. On va bien l'utiliser. Non, pas ici. Là, dans ces placards. Encore en 61. Hop là. Ho 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 ho. Je suis où? Oh attends, 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 attends. T'es où? Putain. J'ai encore raté un fantôme. On visite, hein, on visite tranquillement, on fait des points. Oh. Ok. Faites pas des trucs du genre. Hein. J'ai vraiment cru qu'il y avait un truc à regarder ou à espionner. C'est là qu'on avait combattu les deux prêtresses. Ça charge. Non, c'est bon, y a rien. Ah! Alors, le infini. Voilà. Ah, d'accord, bon. Falloir y retourner. Du coup, il y a vraiment un truc qui se cache. C'est là, je crois. Et on regarde. Maman? Ma fouillou? Et fin de ce 28e épisode, est-ce qu'on a vraiment retrouvé maman? À ton avis, et on verra ça pour le 29e épisode de Project Zero, la prêtresse des eaux noires.